Notre premier invité est Nicolas Raud, dirigeant du fonds Groupe Vert. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Groupe Vert, c'est un réseau d'entreprises de propreté, une dizaine de sociétés membres. Ce groupe a créé son fonds de dotation. C'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Un fonds qui collecte des dons pour lutter contre toute forme de dégradation de l'environnement. Comment est né ce fonds, Nicolas Raud ? C'est avant tout un projet qu'on a eu au démarrage de notre groupe d'entreprises de propreté. On voulait fédérer et rassembler nos clients, collaborateurs autour d'une idée sur l'environnement, enfin pour l'environnement. Et donc cette année, on a créé le fonds en janvier et on a lancé la campagne de collecte d'argent auprès de nos clients, partenaires, salariés, là en avril dernier, pour effectivement acheter des bateaux dépollueurs dont on fera don à la collectivité. Pourquoi avoir choisi un fonds de dotation ? Il y avait d'autres manières pour vous peut-être de s'investir dans la protection de l'environnement ? Nous, on le faisait déjà au travers nos prestations quotidiennes de mise en propreté de locaux. On voulait aller plus loin, que ça se voit à travers des actions concrètes, grand public. Le fonds, c'est une association, c'est très facile à créer et à diriger, et de pouvoir rassembler les partenaires professionnels et à la fois nos salariés ou clients. C'était le modèle le plus simple à organiser. Vous parliez donc de collecte de dons. Comment s'organise cette collecte ? Recevez-vous plus de dons privés, de dons publics ? Expliquez-nous. Non, aujourd'hui, donc on est au démarrage. Ce sont des dons principalement d'entreprises, donc de professionnels. Le don privé n'est pas encore mis en place. On a des cagnottes de participation, évidemment. Aujourd'hui, c'est un site web qu'on a créé. C'est des démarches qu'on entreprend auprès de nos partenaires. On n'a pas encore eu de fonds publics. On commence juste là les campagnes de commercialisation. On est arrivé aujourd'hui à 100 000 euros de collecte. Il faut savoir qu'un bateau coûte 150 000 euros. Pollution de l'air, pollution des océans, dont là vous me parlez de bateaux, j'imagine que vous allez me répondre pollution des océans. Quels sont véritablement vos axes d'action ? Est-ce que vous en avez plusieurs ? Alors, le premier projet, c'est vraiment la dépollution des côtes bretonnes, des ports. Donc, c'est de la collecte d'objets flottants et de nappes d'hydrocarbures, ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui dans les ports. Disons qu'ils ont les moyens humains, mais pas les moyens techniques. Après, il y aura d'autres actions autour de ce fonds-là, qui sont des actions de rassemblement pour collecter des déchets ou continuer à aller vers de la recherche et du développement d'innovation en faveur de l'environnement. Le nettoyage, c'est véritablement votre expertise, Nicolas Raud. C'est là où ça s'inscrit aussi dans le travail de l'entreprise du Groupe Vert. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a un réseau de 10 entreprises, comme vous le disiez, de propreté sur le territoire breton, où on a une démarche RSE bien inscrite, où on fait de la mise en propreté quotidienne. Combien de tonnes de locaux quelconques. Combien de tonnes de déchets avez-vous déjà ramassé, Nicolas Raud ? Alors aujourd'hui, le fond est au démarrage, on n'a pas commencé à collecter quoi que ce soit. Ok, vous n'avez pas encore commencé à collecter des déchets ? Vous allez commencer quand ? Alors expliquez-nous. Le bateau est prévu pour une mise à l'eau avant septembre de cette année. Donc, via après une convention d'utilisation, le premier bateau, on va en faire don à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor. Donc, dans cette convention d'utilisation, ils vont nous faire un rapport biannuel des zones qui ont été dépolluées, évidemment des quantités de déchets ramassés et une méthode de valorisation et de traitement. Ça, c'est un choix de votre part, Nicolas Raud, d'investir dans ces nouvelles technologies, en l'occurrence là, un bateau de dépollution des océans. Pourquoi ce choix ? Vous auriez pu, comme vous dites, continuer à peut-être nettoyer les plages. Pourquoi avoir fait le choix d'investir véritablement dans une nouvelle technologie, dans un tout nouveau bateau ? Parce qu'on sent qu'il y a un manque de moyens techniques, parce que c'était une volonté aussi, autour d'une réunion d'information de collaborateurs, d'arriver sur un projet innovant. Ce sont des technologies très innovantes qu'on ne voit pas aujourd'hui encore sur nos côtes. Donc c'était faire parler de nous aussi et avoir quelque chose de palpable qu'on puisse aussi visualiser régulièrement. Lors d'une balade ou de plusieurs rendez-vous, qu'on puisse voir notre action, notre bateau en action. De quelle manière va-t-il voyager alors ce bateau ? Comment il va se déplacer ? Où il va nettoyer ? Alors, c'est un bateau qui se met très facilement sur remorque, donc ça c'est la collectivité après qui va le déplacer. L'objectif c'est pas d'en avoir qu'un, c'est d'en offrir plusieurs aux différents départements, voire de descendre sur la côte aquitaine, tout en fonction des dons qu'on va pouvoir mettre en place. Mais ce sera le personnel technique des utilisateurs qui s'occuperont de la manutention. Avec qui avez-vous travaillé, Nicolas Raud, sur ce projet-là de bateau ? Avec quelles entreprises, quels partenaires ? Comment ça a fonctionné, ce projet ?
Alors au démarrage, il faut évidemment trouver donc l'entreprise qui fabrique le bateau. Donc on a la chance d'avoir une entreprise costarmauricaine bretonne qui fabrique ce type de bateau, hein, qui ont participé déjà à l'envoi de bateaux sur l'île Maurice, qu'on a eu les derniers gros dégâts. Donc c'est la société Ifinor, qui est basée à Paimpol. Ça c'est la première démarche. La deuxième démarche, évidemment, c'est de constituer le fonds de dotation. Et la troisième démarche, c'est de trouver l'utilisateur final. Donc l'utilisateur final, pour le premier, c'est la chambre de commerce, hein, qui est très habituée à ça. Et puis après, donc, c'est toute une mise en place de campagne, hein, de démarchage de professionnels ou autres, et de communication presse pour collecter un maximum d'argent le plus rapidement, mais que ça serve aux entreprises dans leur démarche RSE. Donc on a des beaux industriels aujourd'hui de transport de bois ou d'agroalimentaire ou même de services qui sont très heureux de participer à ce projet. C'est ça, les partenaires qui vous entourent vous aident véritablement à développer ces projets-là. Ils ne servent pas que sur l'aspect financier. Non, du tout. Alors, comme je vous le disais, hein, au préalable, ça rentre vraiment dans leur démarche RSE. Donc, ils sont tous contents et fiers. On a, nous, la chance en Bretagne d'être entourés d'eau. Donc, tout le monde a conscience aujourd'hui de la problématique et tout le monde veut y aller. Ce n'est pas qu'un esprit de communication, c'est aussi un esprit de solidarité pour sauvegarder notre environnement. Avez-vous senti, Nicolas Roche, chez Groupe Fonds Verts, une accélération de la prise de conscience de la part des différents acteurs, entreprises et particuliers, comme vous travaillez avec les deux ? Bien sûr, ah bien sûr. Là, il y a une grosse prise de conscience sur la dégradation de notre milieu naturel. C'est pour ça que ce projet tombe à pic. Je pense que les événements sanitaires de ces derniers temps ont fait comprendre à beaucoup de monde que on avait quand même de la chance d'avoir cet environnement-là autour de nous. On voit de plus en plus de déchets flottants ou autres. Hein. Donc c'est important d'avoir ce type de projet pour pouvoir s'engager. Il y a tout un volet aussi sur la sensibilisation dans votre fonds. Comment accentuer ce travail toujours de sensibiliser ? J'imagine que c'est la première étape aussi. Bien sûr, c'est de se faire entourer, c'est de communiquer un maximum. Nous, on le fait au travers de notre réseau d'entreprises aujourd'hui indépendantes sur les trois départements bretons. Mais plus on aura d'acteurs à nous accompagner financièrement, plus on aura de moyens aussi pour sensibiliser et puis toujours continuer à aller vers de la recherche. Donc c'est une histoire de communication, hein, très simplement. Qu'attendez-vous des semaines et des mois à venir ? Alors d'autres bateaux, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, peut-être d'autres projets aussi sur lesquels vous travaillez ? Complètement. La priorité, c'est les bateaux, c'est d'aller au bout du premier déjà avant septembre, d'en entamer un deuxième pour le département du Finistère et un troisième pour le Morbihan. Voilà, quand on aura bouclé déjà ces trois départements, voir si la mayonnaise prend bien avec les utilisateurs. Et puis, en fonction de ça, continuer des campagnes de mobilisation, de collecte de déchets sur notre littoral, les plages, comme des actions autour du clean-up day, ces choses-là. Et puis, force de se réunir et d'information, voir si on ne peut pas trouver d'autres moyens innovants pour toujours avoir une démarche environnementale un peu plus aboutie. Et donc toujours sur le territoire breton ? Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui. Peut-être qu'après, ça s'étendra à d'autres littoraux en France. Mmh. C'est ce que vous espérez. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas Roche, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir parlé de ce projet du fonds Groupe Vert. Je le rappelle, vous êtes donc dirigeant de ce fonds. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure de notre débat. On parle de commerce équitable.